Min mor! Kan jeg skrive fag? Telefon la police? Okay. Okay. Oui? Jeg er meurtre. Toutes les personnes dans l'école ont passé dans le bureau du principal, mais pour finalement donner leurs empreintes de doigts. La dernière à passer était Laurence. C'est toi qui as trouvé le corps, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, mais je ne veux pas en parler, c'est trop. Mais on faut mettre les choses au clair. Que faisais-tu sur la scène du crime? Je rentrais chez moi. Dès que tu as vu le corps, qu'est-ce que tu as fait? Je suis immédiatement allée au bureau et je vous ai téléphoné. Est-ce que tu connais la victime? Oui, je connais son nom. Elle s'appelait Alex. Elle était dans ma classe de français, mais je ne le connaissais pas personnellement. Alors, est-ce qu'il y a des autres choses que tu veux me dire? Non, j'ai rien à ajouter. Oh, c'était une vraie perte de temps. J'aurais dû faire du yoga à la place. Oui, allô? Rencontrez-moi au Starbucks à 4 heures. Bonjour, inspecteur. Oui, c'est moi. Je m'appelle Becca. Je voulais vous parler. Salut. Avez-vous déjà placé votre ordre? Oh, oui, oui. Decaf grande, four shot, soya, wet, extra hot, latte with room. Oh, c'est à moi. Oh, je vais le chercher. Merci. Voilà. Oh, merci. Oui. Qu'as-tu à me dire? Je voulais vous dire avant que vous trouviez par vous-même. C'est à propos de la victime et moi. J'étais intimidée par Alex pendant plusieurs années. Ma vie à l'école était un cauchemar à cause d'elle. Je suis terriblement désolée. Non, ça ne m'aide pas. Alors, quand j'ai vu qu'elle argumentait violemment avec Madame La Folle, la professeure de français, j'étais si contente parce que finalement, elle a ce qu'elle méritait. Mais... De quoi parlait-elle? Je n'ai pas entièrement compris, mais Alex parlait en anglais, comme toujours, et Madame La Folle essayait de la faire parler en français. Elle a dit que si elle ne parle pas en français, il y aura des conséquences graves. Qu'est-ce que tu faisais à l'école à cette heure? Oh, je faisais mes devoirs à la bibliothèque. Ok. Je pense que j'ai assez entendu. Merci beaucoup. Merci.